Big up. En 1998, la France choisit Youssou N'Dour, un Africain, pour composer l'hymne de sa Coupe du Monde. Et pour l'ouverture de cette même Coupe du Monde, Youssou N'Dour chante aux côtés de Axel Red, une Belge. Ça n'a pas fait de polémique en France. En 2010, pour la première Coupe du Monde en terre africaine, Shakira est choisie pour le son et le show d'ouverture. Ça n'a pas choqué les Sud-Africains. Regardez qu'en 2022, le Cameroun laisse chanter Pali Poupa pour la Coupe d'Afrique des Nations, un événement continental qui réunit toutes les nations d'Afrique. Ça fait un problème. On a oublié qu'en 2017, pour sa Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon a invité Mani Bella du Cameroun. Ça n'a pas choqué Annie Flor Batilelis, Pierre Kendenge et les autres. Mais d'où vient-il que Fally Ipupa chante au stade Olémé pour l'ouverture de la CAN 2021? Ça fait tant de polémiques. On nous a fait quoi les Camerounais entre nous? Dites-moi. Quel est le vrai problème? Nous qui avons l'habitude de vanter notre Cameroun Afrique en miniature. Donc ce n'est que des mots alors. Où est donc le côté Afrique en miniature? Où est le côté Afrique? Avons-nous oublié que c'est un événement CAF dont le Cameroun est juste le pays qui l'héberge? Mais entre nous, soyons sérieux. Quand nos artistes brillent ailleurs, pourquoi ça ne dérange personne? Pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée, c'est un Camerounais qui compose l'hymne. Il s'appelle Edgar Yonke. Il est vivant. Et ça n'a pas fait de polémique dans ces deux pays. Mais chez nous, parce que Fally Ipupa a fait un spectacle, c'est un problème. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont choqués par cet aspect des choses, de se rappeler que dans le championnat au Congo démocratique, tous les grands clubs ont des Camerounais comme gardiens de but. TP Mazembe, le Vita Club. Renseignez-vous, les meilleurs gardiens de but du championnat congolais sont Camerounais. Quel message nous envoyons à nos frères congolais? Soyons sérieux quelque part. Cameroun, Afrique en miniature, respectons ce label. Respectons ce label. Et restons africains. Restons dans ce concert des nations. Restons là, restons africains et fiers de l'être. Ne nous mettons plus tristement en spectacle pour rien. Et travaillons à être aussi meilleurs. Fally Ipupa, il peut remplir un stade dans n'importe quel pays présent à cette CAF, à cette CAN, autant pour moi. Au Sénégal, il peut remplir les stades. En Côte d'Ivoire, il peut remplir les stades. Au Congo, chez lui. Ici, au Cameroun, il peut. Alors, donnons à César ce qui est à César. Gigas.